Bon, ça commence. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir pour nos amis d'Algérie et de France et d'Europe, et bonsoir pour nos amis voilà d'Algérie et d'Europe, et bonjour pour les Nord-Américains, Sahaftalkom, pour ceux qui ont déjà pu rompre le jeûne ce soir. Ce soir, nous sommes eh bien, avec Rebeh d'Alterna TV et moi-même, ravie d'accueillir trois invités. Louisa Drist Ait Hamadouche, politologue, professeure à la faculté des sciences politiques et des relations internationales à l'université d'Alger 3. Akram Khariev, journaliste indépendant, spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Il anime le site d'information MENA Défense depuis 2001, qui s'intéresse aux questions effectivement de sécurité et de défense en Afrique, au Maghreb et au Moyen-Orient. Et puis Raouf Farah, chercheur en géopolitique, analyste senior pour la Global Initiative, un centre de réflexion mondial sur le crime organisé. Il mène des projets de recherche en Afrique du Nord et au Sahel, notamment sur les migrations, les questions sécuritaires et plein d'autres choses. Eh bien, ce soir, bonsoir à vous et merci d'avoir accepté cette invitation. Ce soir, on parle de défis extérieurs pour l'Algérie. C'est l'intitulé de notre débat ce soir, choisi par Rabah, je tiens à le dire. Défis extérieurs, déficit de légitimité et rupture de confiance, l'impossible équation. L'actualité, évidemment, de ces derniers jours a été riche sur le plan international. Il y a évidemment actuellement la guerre en Ukraine qui, on va dire, monopolise la sphère médiatique. On ne parle pratiquement que de ça, matin, midi et soir. Avec des enjeux et d'ailleurs cette guerre ukrainienne, cette guerre en Ukraine, cette intervention russe en Ukraine nous a montré qu'un conflit aujourd'hui a priori localisé a des répercussions sur le monde entier. Et je pense que ce soir nous parlerons de l'Algérie, de comment éventuellement ce conflit impacte aujourd'hui notre pays. Et puis, évidemment, tous les enjeux internationaux, la relation de l'Algérie avec ses partenaires internationaux. Je voudrais juste commencer cette soirée de débat, ce débat sur l'actualité récente en Algérie. Ça s'est passé la semaine dernière. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est venu à Alger, a rendu visite au président algérien Abdelmadjid Tebboune. Et il y a eu évidemment une discussion au sommet et avec une déclaration à la sortie des Américains qui a peut-être étonné qui en a peut-être étonné quelques-uns sur qui était assez exhaustive, j'allais dire, et assez prolixe sur ce qui s'est dit dans cet entretien en tête-à-tête entre le secrétaire d'État américain et le président Tebboune. Alors, la première question que j'aimerais poser à nos invités, à vous trois, c'est de savoir si cette visite d'Anthony Blinken est de nature à modifier l'agenda du pouvoir algérien. Est-ce que c'était une visite pour le gaz, puisque c'est le souci de. Est-ce que c'était une visite très intéressée économiquement, ou bien est-ce que cette visite, elle a pour vocation d'infléchir la position algérienne vis-à-vis de la Russie, sur le Sahara occidental, sur des sujets internationaux? Que pouvez-vous nous dire? Quelle est votre analyse à la fois de l'opportunité de cette visite, du contenu, du pourquoi, du comment? Madame Ait Hamadouche, honneur aux dames, je vous laisse commencer. À tous. La visite du secrétaire d'État américain à Alger, bon déjà elle fait suite à une visite précédente de son sous-secrétaire d'État. Le thème précis ou la question centrale de cette visite,
Bon, on a pu en avoir, les médias publics en tout cas en ont très peu parlé. On a très peu de détails officiellement en tout cas sur cette visite. Par contre, les détails de la déclaration du chef de l'État algérien montrent, donnent un peu plus de détails sur la teneur de ces rencontres. Maintenant, on sait que compte tenu du contexte, il est fort probable que cette rencontre ait un lien direct avec ce que la communauté internationale, et quand je dis communauté internationale, je dirais plutôt donc les Européens et les Américains attendent de l'Algérie dans le contexte tendu que vous avez décrit, à savoir la guerre russo-ukrainienne. Donc oui, fatalement, il y avait forcément la question du rôle que l'Algérie peut jouer dans la question de l'approvisionnement en gaz au cas où un embargo total serait imposé à la Russie, mais il y a sans doute aussi, donc ça c'est sur le plan conjoncturel, il y a une primauté des questions économiques et notamment énergétiques, mais il y a au-delà de cette question conjoncturelle des questions de coopération qui lient les deux pays. On sait qu'il y a une volonté d'investir dans les gaz de schiste, par exemple, dans les pétroles et gaz de schiste en Algérie, de la part des entreprises américaines. Il y a la question de la coopération sécuritaire qui est toujours au centre des discussions entre les deux pays. Il y a les questions régionales. Et donc, oui, il y a forcément, je pense, une question conjoncturelle dominée par le conflit russo-ukrainien, en plus des autres questions qui structurellement lient les relations entre les deux pays. Merci. Raouf, Farah, peut-être une intervention sur ce sujet? Oui, alors est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Ok, super. Donc oui, j'appuie ce que vient de dire Luisa. Juste peut-être rajouter un élément, c'est que la visite de Blinken s'inscrit dans quand même une visite régionale. Elle n'est pas une visite propre à l'Algérie en soi. C'est vraiment une visite qui touche plusieurs pays de la région. Et donc, il y a bien évidemment la question de l'approvisionnement et de la sécurité énergétique de l'Europe qui est en jeu au vu de la place qu'occupe l'Algérie sur ce front-là. Mais je pense que du côté algérien, il y avait aussi une attente de peut-être de davantage de légitimité internationale, de reconnaissance, je dirais, d'appui et de présentation un peu du projet qui consiste à dire, voilà, on incarne un peu l'Algérie nouvelle, nous sommes sur une voie qui est celle du changement, un changement certes compliqué, mais quand même un changement qui se met en place. Et pour moi, la lecture que je fais de la déclaration de Abdelmadjid Tebboune, elle s'inscrit vraiment dans cette perspective-là. C'est à la fois la position d'un pays qui veut, en tout cas, ou d'un régime qui veut se relégitimer, entre guillemets, sur le plan extérieur, mais qui aussi affiche de manière ouverte des craintes quant à l'évolution de son environnement politique et géopolitique immédiat. Et donc, je pense que les attentes étaient très différentes de chaque bord. Bien évidemment, on peut être très, très étonné de voir que l'administration algérienne a autorisé la publication d'une telle discussion au vu, je dirais, de la qualité quand même de l'intervention du chef de l'État qui reste. Elle a autorisé, pardon, à Raouf de te couper, elle a autorisé. Il n'y a rien de confirmé, mais j'imagine que si les Américains le publient, A été génère autorisé. dans la tradition diplomatique, on ne publie pas une discussion privée si on n'a pas le consentement de la deuxième partie. Et donc, peut-être que les Américains, de par le rapport de force qui existe entre les deux pays, se sont donné la liberté de le faire. Mais traditionnellement, ça ne se fait pas. Et donc, on peut imaginer, on peut supposer avec forte probabilité qu'il y a consentement sur cette question-là. Mais bon, ça, c'était vraiment
une petite parenthèse, une petite digression que je voulais aborder. Mais l'essentiel, c'est de dire, voilà, il y avait des attentes qui étaient très diverses, très différentes. Et on aura l'occasion d'en parler, je pense, dans ce débat. Donc, je laisse la place à Akram. Merci. Voilà, Akram Khalief, l'analyse que vous faites de cette visite américaine. Je partage un petit peu ce qui a été dit par mes amis juste avant. Sauf que je suis certain que cette visite s'inscrit plutôt dans un agenda lié à la crise ukrainienne et à la guerre en Ukraine. On l'a même senti, je pense, dans l'échange qui a été publié. Autant la partie algérienne a été prolixe et a beaucoup parlé, a beaucoup utilisé de temps pour décrire la situation dans laquelle le pays se trouvait, autant la partie américaine a été expéditive, qu'on se le dise clairement. Il y a eu des attentes. Les États-Unis sont en train d'entamer des démarches à l'échelle globale pour que les pays votent de manière systématique contre la Russie à toutes les occasions possibles à l'ONU ou sur d'autres plateformes. Et donc, je pense que la visite de Blinken s'est inscrite dans cette perspective-là, en plus, bien sûr, du moyen et du long terme qui est le gaz et l'avenir énergétique de la région et l'avenir des approvisionnements en énergie de l'Europe, donc face à la Russie. D'accord. Et du coup, alors vous évoquez le fait que peut-être Anthony Blinken venait s'assurer d'une position différente vis-à-vis de la Russie. J'aimerais rappeler que donc les deux votes qui ont eu lieu à l'ONU sur la guerre en Ukraine et sur la Russie, l'Algérie s'est abstenue, on est d'accord? Non, elle a voté contre la deuxième fois. Même, voilà, c'est abstenu. Le dernier vote a été contre. Oui. Donc, ouais, voilà. Donc, qu'est-ce qui ferait que l'Algérie, on sent quand même que jusqu'à maintenant, et on voit difficilement comment l'Algérie, compte tenu de ses relations historiques avec la Russie, l'Union soviétique précédemment, comment elle pourrait changer de pied sur vis-à-vis de l'intervention russe et de la Russie. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut intervenir? C'est-à-dire que, non pas seulement du fait de la visite de Blinken, mais est-ce qu'il y a des éléments tangibles qui permettent de dire que peut-être que le soutien, ou en tout cas la relation privilégiée que l'Algérie a avec la Russie pourrait ne plus être aussi solide? Je ne sais pas si l'un de vous a des éléments, veut répondre. Je crois que mon micro est ouvert, donc je peux me permettre. Oui, allez-y. Je pense que les relations de l'Algérie avec le reste des pays, que ce soit la Russie ou d'autres pays, les relations sont bonnes de manière globale. Je pense que l'Algérie est en train de jouer une autre carte qui est celle de la distanciation, de la non-ingérence, de la solution politique, etc. Donc, vision, disons, classique de la diplomatie algérienne, même si elle n'est pas en concordance avec l'urgence des faits aujourd'hui, l'urgence de se positionner. D'un autre côté, l'Algérie, je ne pense pas qu'elle soit actuellement dans une optique de soutien à l'intervention militaire russe en Ukraine, mais plutôt dans ce qui se présente un petit peu comme étant une sorte de refus de l'extension de l'OTAN et de l'agacement quant à la situation dans cette région-là. Donc, nous ne sommes pas, je pense pas que l'Algérie soit dans une optique de soutien actif de la Russie. J'étais en train de lire maintenant la question d'un téléspectateur qui était juste, hein, il affirme, enfin, il se demande si ce manque de vision stratégique de l'Algérie peut lui causer des problèmes à l'échelle internationale. C'est
tout à fait juste. On voit que l'Algérie, même dans ses choix, elle les fait pour des raisons qui ne sont pas en concordance avec avec une quelconque vision stratégique, mais ces choix diplomatiques sont basés sur des traditions politiques et sur des postures héritées. Donc, nous, on ne sait pas aujourd'hui si l'Algérie a intérêt à soutenir tel ou tel camp. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, quelqu'un en Algérie, enfin, du moins dans le pouvoir, soit en mesure de prendre des décisions stratégiques dans ce sens-là. Je peux continuer? Oui, bien sûr, tout à fait. Effectivement, et je lisais comme Akram les questions qui défilent sur l'écran, et je voudrais dire quelque chose qui va sans doute s'appliquer sur les autres dossiers ou sur les autres sujets qu'on va traiter ce soir. La politique étrangère d'un État, au-delà de son caractère démocratique, de sa légitimité interne, de sa stabilité, de la force du front interne, ne l'oublions pas, est aussi une politique dont les ressorts sont complexes. Une partie, ils sont liés à l'environnement externe, et une autre partie à l'environnement ou à la dimension interne. Akram a commencé à expliquer l'incertitude qui aujourd'hui s'impose face à la diplomatie algérienne, et je crois qu'effectivement, de mémoire, je n'ai pas souvenir d'un événement, d'un moment historique dans lequel l'Algérie s'est retrouvée aussi coincée entre guillemets et dans une aussi grande difficulté à prendre des positions plus ou moins claires. Akram parlait de la volonté de rester en distanciation vis-à-vis de la Russie et des Occidentaux de l'autre côté, de toujours évoquer la question de la solution politique, c'est vrai, mais là on sent bien que l'Algérie fait face à de très très grosses difficultés face à un dossier aussi épineux. Il y a d'une part un allié stratégique, historique, traditionnel qui est la Russie, donc ça c'est plutôt sur un aspect qui est essentiellement l'aspect historique et l'aspect militaire, mais il y a aussi d'autre part tous les autres aspects qui concernent la proximité de l'Algérie avec l'Europe et avec l'Occident de façon plus générale. Il y a la proximité géographique, la proximité démographique et la proximité économique. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, et c'est bien dommage que la situation interne soit ce qu'elle est, ce conflit aurait pu être une opportunité extrêmement sérieuse, extrêmement intéressante pour remettre à niveau ou réactualiser les fondements de la politique étrangère de l'Algérie. On sait que la politique étrangère de l'Algérie est fondée sur des principes, c'est une diplomatie extrêmement normative, avec une identité extrêmement forte, héritée de l'histoire, tout ça on le sait, et l'Algérie continue de se vanter de ces aspects-là. Mais le conflit aujourd'hui, comme d'autres, comme le Mali, comme la Tunisie, comme la Libye, place l'Algérie dans des contradictions extrêmement fortes. Et pour moi, les contradictions, c'est pas forcément un problème, ce n'est pas uniquement synonyme de difficulté, c'est aussi une opportunité pour que l'Algérie réfléchisse avec des instruments nouveaux, avec des yeux nouveaux, à la place qu'elle veut occupée au niveau régional et au niveau international. Les décisions qu'elle va prendre par rapport à la Russie et par rapport aux sanctions contre la Russie, ça aurait pu, dans des circonstances plus intéressantes au niveau interne, cela aurait pu constituer une opportunité extrêmement intéressante de mettre la diplomatie algérienne au 21e siècle, de plonger la diplomatie algérienne dans le 21e siècle, parce que les défis d'aujourd'hui sont vraiment, vraiment différents de ceux auxquels l'Algérie était habituée dans les années précédentes. Merci pour cette... Effectivement, Raouf, un commentaire sur ça? Oui, tout à fait, c'est très intéressant. Je crois que il y a aujourd'hui une volonté, en tout cas, des autorités algériennes, en tout cas depuis début 2020, de dire, voilà, l'Algérie
est de plus en plus active sur la scène internationale, nous voulant renforcer l'action internationale de l'Algérie, surtout en Afrique et plus particulièrement au Sahel. Nous voulant redorer un peu le blason de la diplomatie algérienne entre guillemets, encore une fois, modernisant notre diplomatie sans perdre de vue les valeurs et les traditions qui l'ont marqué et qui l'ont fait. Et 2 ans après, nous voyons qu'il y a vraiment des tâtonnements, des hésitations, des contradictions et des contraintes qui sont parfois insurmontables. On pourrait citer quelques cas, hein, rien que sur le continent africain. Je ne suis pas, pour ma part, spécialiste des questions, je dirais, transcontinentales, mais je le vois du moins dans la partie régionale, dans l'action de l'Algérie au niveau de la région. Je veux bien entendre l'argument de l'Algérie qui se déploie économiquement, qui a envie de se déployer en Afrique et qui a envie d'avoir une politique africaine appuyée par des projets d'infrastructure, comme ça a été rappelé encore une fois par le chef de l'État dans sa déclaration pour le secrétaire d'État américain. Mais la réalité du terrain fait en sorte que voilà, il y a des contraintes sécuritaires, des contraintes financières qui sont quasiment insurmontables sur plusieurs projets. On peut évoquer la question de la route transsaharienne. On peut évoquer le fameux projet Miguel avec qui devait lier le Nigeria et l'Algérie. Et donc, il y a un fort décalage, de fortes hésitations entre ce que l'on veut, entre la volonté affichée et malheureusement les moyens, les ressources et j'ai envie de dire presque l'intelligence humaine, le capital humain qui vient avec. Voilà, toute cette situation-là aujourd'hui fait en sorte que on tâtonne et on essaie d'adopter une position qui se veut plus ou moins équilibriste, même si on sent qu'il y a quand même un penchant pour la partie russe, hein, évident sur ce dossier-là. Mais je pense que dans les circonstances actuelles, et pour revenir un peu à l'actualité, je pense que la position de l'Espagne vis-à-vis du fameux plan d'autonomie du Maroc concernant le Sahara occidental a aussi donné une certaine douche froide à une bonne partie de la diplomatie algérienne. Et je pense que ce dossier-là va faire en sorte de nécessairement réévaluer cette stratégie équilibriste qui était peut-être beaucoup plus équilibrée au tout début de la guerre russo-ukrainienne. Mais Raouf, pardon, sur la position, le revirement de la position espagnole, il y a des rebondissements. Hier, la majorité du Parlement espagnol a voté une résolution justement dénonçant le revirement espagnol. Elle a été votée à 168 voix. Il y avait juste les députés du Parti socialiste qui ont voté contre. Mais sinon, il y avait une large coalition formée des. Évidemment, c'est une résolution initiée par le parti de gauche Podemos, mais qui a été votée aussi bien par des partis de gauche que des partis de droite. Donc, de ce point de vue-là, est-ce que c'est totalement perdu? Est-ce qu'on peut parler de défaite ou de camouflet pour la diplomatie algérienne sur cette question? Je ne sais pas s'il faut parler de défaite ou de camouflet, parce que, après tout, ce sont des décisions souveraines d'État qui sont prises par des gouvernements qui s'appuient normalement sur une certaine tradition vis-à-vis de leur position sur ce dossier-là. Je rappelle que l'Espagne avait la même position depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qui est en conformité avec le droit international, c'est-à-dire justement de laisser le libre choix aux Sahraouis de déterminer eux-mêmes leur avenir. Je suis conscient de cette question-là et je pense que ça ne sera pas facile
à la fois au niveau du Parlement, mais aussi au niveau de la société civile espagnole. Il faut savoir que la société civile espagnole est très, très marquée par la question du Sahara occidental. Et donc, ça va être beaucoup plus difficile que, disons, changer la position américaine adoptée par Trump et que Biden continue d'une certaine façon sans le dire ouvertement. Donc, je pense qu'en Espagne, ça sera beaucoup plus compliqué. Mais il n'empêche qu'au niveau global, au niveau mondial, ce qui est retenu, c'est que, voilà, au moins, il y a un soutien moral d'un exécutif espagnol à une position que le Maroc considère comme étant la seule possible. Et c'est là où c'est le véritable problème, parce qu'à partir du moment où on considère qu'il n'y a plus d'autre solution que la sienne, on n'est plus dans la négociation. On est dans des tentatives d'imposition. Donc, est-ce que c'est un camouflet pour la diplomatie algérienne ? C'est compliqué. Je pense que l'Algérie s'est vue un peu assis sur des lauriers au début de la guerre en Ukraine, en disant bon voilà, on va assurer la sécurité énergétique, on va certainement élargir encore nos exportations de gaz par le gazoduc Maghreb Europe. Et aujourd'hui, c'est le ballon est en train de péter et l'Algérie essaie de se repositionner peut-être au niveau de l'Italie avec l'autre gazoduc. Ça, c'est que sur la question du gaz. Hein. Mais si on suit les déclarations officielles, il y aurait une réponse multiforme, etc. sur cette question-là. Ça reste à voir pour l'instant. Je pense que, alors, juste pour revenir, effectivement, je pense que, comme le disait au début de l'émission Raouf, la visite de Blinken était, ou je sais plus qui disait ça, ou c'est la visite de Blinken était une visite régionale qui s'est pas cantonnée à l'Algérie, puisque Blinken est allé au Maroc et a rappelé effectivement que le plan marocain était une potentielle piste de sortie de crise pour le Sahara occidental. Donc à la fois, bon, on voit bien que les Américains, en tout cas aujourd'hui la présidence Biden n'est pas complètement sur les positions de Trump qui était prêt à solder le conflit sahraoui et passer par pertes et profits l'autodétermination. Là on sent que la majorité Biden essaie de ménager un petit peu quand même une sortie honorable pour les Sahraouis, mais quand même accepte d'avoir sur la table ce projet. On pourra revenir sur, et ce qui est sûr, c'est que la visite du Premier ministre espagnol au Maroc a fâché les Algériens. Ça, c'est très clair. On l'a vu. Je voudrais juste, parce qu'on évoquait la situation, j'ai entendu Louisa Idrissa Mahamadouche dire une diplomatie un peu empêchée, si je puis dire, empêchée d'entrer dans le 21e siècle. Et je voudrais revenir au propos du président Tebboune, puisque la déclaration, elle était assez complète des Américains là-dessus, où il dit quand même, à l'exception de nos voisins tunisiens, toutes nos frontières sont en flammes. C'est ça l'expression du président Tebboune. Toutes nos frontières sont en flammes. C'est quand même très fort. Avec une Libye déstabilisée, le Sahel, Tchad, Burkina Faso, Niger, Mali, même la Mauritanie, semblerait-il. Et donc, effectivement, dans ce contexte-là, on a le sentiment que, alors évidemment, il est rentré dans le détail de l'action de l'Algérie vis-à-vis de la Libye, vis-à-vis du Sahel. Et effectivement, on a vraiment le sentiment qu'on a une diplomatie et une force d'intervention qui est amoindrie du fait de la crise interne, vous le disiez certainement, Madame Ayet Hamadouche. Mais est-ce qu'il y a d'autres... Et comment... comment se situe aujourd'hui l'Algérie vis-à-vis de toutes ces... de tous ces conflits larvés, etc., dans la sous-région. Peut-être Akram Khayef. L'Algérie est entourée, les bordures de l'Algérie sont en flammes. La vraie question, c'est qu'a fait l'Algérie pour éteindre ces flammes. Généralement, lorsque un pays est entouré par des... lorsqu'on se plaint de tous ses voisins, c'est qu'à un moment, c'est peut-être nous le problème.
il faut être très très réaliste par rapport à ça. On voit, c'est vrai que le président Tebboune avait évoqué certaines mesures prises par la diplomatie algérienne en Libye notamment et dans le Sahel, mais on le voit, ces mesures-là n'ont absolument rien donné, elles sont totalement anachroniques, elles ne correspondent pas à ce qu'il faut faire aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez normal, par exemple, qu'il y a eu peut-être plus de civils tués le mois dernier au Mali qu'en Ukraine? C'est pas normal. Et ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas dans nos médias. On n'en parle pas. Notre diplomatie ne fait pas grand chose pour ça. Nous n'avons pas émis de communiqué ou de positionnement clair de l'Algérie vis-à-vis des deux massacres qui ont eu lieu, ou des trois massacres, ou des quatre massacres qui ont eu lieu, si on remonte au début du mois de mars, dans le centre et dans le nord du Mali. Aujourd'hui, on est en train d'assister, nous, hein, spécialistes de la région, on est en train d'assister à une montée en puissance des groupes armés terroristes dans le nord du Mali. On est en train de même d'assister à une sorte de gouvernance de fait qui est appliquée par ces groupes armés-là. Je disais il y a une semaine que Génim avait envoyé des armes et des munitions au groupe signataire Touareg pour se défendre contre Daesh. Que fait l'Algérie? Quelle est notre position? Est-ce que on va continuer à parler et à évoquer des plans, des pistes, de la réconciliation, ou est-ce que on va agir, faire des choix et trouver des solutions pour cette région? On ne peut pas se plaindre d'avoir le feu à nos frontières et ne pas agir de manière efficace. Lisa, Aït Hamadou, une remarque là-dessus? Oui, l'une des grosses contradictions dans le discours officiel par rapport aux pays qui nous entourent, c'est de dire que d'une part, ils ne nous ressemblent pas, ils constituent une menace pour la sécurité de l'Algérie, et donc d'en faire une altérité par rapport à nous, et d'autre part, donner des exemples extrêmement concrets dans lesquels on explique, donc je parle des autorités, qu'il y a un prolongement géographique, démographique, culturel, ethnique, tribal avec ces pays-là. C'est une contradiction qui, à mon avis, reflète à quel point la diplomatie algérienne, la politique régionale algérienne a besoin d'être dépoussiérée, a besoin d'être revisitée, a besoin d'être réfléchie à l'aune du XXIe siècle. On est encore à réfléchir à la sécurité aux frontières comme si ces frontières étaient érigées grâce à des murailles infranchissables. Les frontières, qu'elles soient du sud, de l'est ou à l'est ou à l'ouest, et même au nord aujourd'hui, sont des frontières qui aujourd'hui sont totalement virtuelles. Et penser la sécurité de la des frontières en fermant des postes frontaliers, en déployant des milliers de soldats, en traitant ses voisins d'ennemis potentiels ou réels, je doute, pour ma part, je doute que ce soit la solution. L'Algérie a besoin d'abord de savoir si elle constitue un acteur régional ou un sujet régional. Si l'Algérie est un acteur, elle ne peut pas se contenter de dire « nous sommes en danger, nous sommes menacés, les frontières sont en flammes ». Là, c'est un discours de sujet, ce n'est pas un discours d'acteur. Si l'Algérie décide d'être un acteur régional, c'est-à-dire décide d'avoir de l'influence, d'impacter, d'être l'un des décideurs de ce qui se passe dans la région, il y a effectivement non seulement un discours à changer, il y a toute une rhétorique à changer, et il y a une révision profonde des moyens que l'Algérie est prête à mobiliser pour ça. Akram parlait du Mali, effectivement il y a eu des massacres au Mali, aujourd'hui il y a un pouvoir politique au Mali qui est
décrié, qui est critiqué par la CEDEAO et par un grand nombre de pays de la communauté internationale, mais qui en même temps est en conflit avec l'ancienne puissance coloniale et dont l'Algérie critique la présence en parallèle, il y a une situation qui s'est détériorée de façon dramatique au nord du Mali, et l'Algérie est effectivement au mieux dans une position de dénoncer, au pire dans une position de spectatrice, et le chef de l'État a rappelé que nous avions perdu des diplomates et que l'Algérie n'avait pas agi pour cela. Donc il y a vraiment un... L'Algérie a réellement besoin, pour avoir une politique étrangère qui soit un prolongement de sa politique intérieure, pour avoir une politique étrangère qui puisse réaliser, qui puisse concrétiser les intérêts que l'Algérie a besoin de concrétiser, a réellement besoin de revoir les instruments qu'elle utilise, sa vision vis-à-vis de ses voisins, la vision qu'elle a de ses partenariats ou de ses alliances, parce que c'est un vrai souci. Je disais une question d'un téléspectateur qui disait que l'Algérie n'a pas d'alliés. C'est vrai, contrairement au Maroc qui en a, contrairement à la Tunisie qui en a. On ne sait pas qui sont les alliés de l'Algérie. C'est un vrai souci. La volonté de rester toujours neutre, et ben parfois elle se transforme en véritable isolement. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, par rapport au Mali, mais vraiment spécialement pas par rapport au Mali, parce que comme disait le chef de l'État en se contredisant, nous avons des tribus maliennes qui sont d'origine algérienne et des tribus algériennes qui sont d'origine malienne. On ne peut pas dire ça et en même temps ne rien faire sur un terrain aussi brûlant que celui-ci. Moi, l'une des grandes contradictions que je vois dans la politique de l'Algérie vis-à-vis de cette région, c'est que l'Algérie parle toujours de solutions politiques, de la nécessité d'associer les solutions économiques, sociales aux solutions politiques et sécuritaires, et que sur le terrain, finalement, il n'y a rien de tout cela. Il n'y a pas de politique visant un co-développement aux frontières. Il n'y a pas de politique visant à faciliter la mobilité des populations qui sont par définition mobiles. Il n'y a pas de politique d'investissement extraterritorial. Il n'y a pas de politique d'intégration des migrants qui arrivent en Algérie en raison de ces conflits. L'Algérie agit vis-à-vis de son étranger proche comme si c'était un étranger lointain. Et le résultat, c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Merci. Raouf Farah, justement par rapport à ces frontières en flammes. Oui, tout à fait. Ben, j'appuie totalement ce qui vient d'être dit par Louisa. Moi, je voulais structurer en fait ma réflexion parce que cette question-là, sincèrement, elle mériterait une conférence à un long débat qui pourrait durer des heures et des heures. Mais en tout cas, si on prend la discussion entre Blinken et Tebboune, moi, je suis gêné par… on peut diviser ça en deux choses. Je suis d'abord gêné par la forme. C'est-à-dire que sur le plan diplomatique, ce n'est pas acceptable de dire que ceux qui nous entourent, de faire une classification, une hiérarchie entre ses voisins. C'est vraiment, il n'y a pas pire pour se faire détester que cela. Donc déjà là, imaginez-vous si un pays, je ne sais pas, je prends le Niger ou la Libye, fait le même communiqué et elle déclare que finalement l'Algérie c'est un pays qui est dangereux, qui lui ramène beaucoup plus de problèmes que d'autres choses. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable sur le plan diplomatique en tant que chef d'État de dire une chose pareille. Donc ça c'est déjà sur la forme. Il faut avoir les bons outils, les bons concepts, les bonnes notions, les bons termes pour en faire usage et parler de manière sereine et apaisée d'une réalité qui est dure, hein, objectivement, mais qui nécessite quand même un peu de complexité. Maintenant, ouais. Sur le contenu, moi, je suis toujours outré par la manière dont on homogénise
si vous voulez, la situation tant au niveau du Sahel qu'en Libye. Chaque pays, chaque sous-région a ses propres dynamiques et a ses propres difficultés. J'ai l'impression que même au sein de la diplomatie algérienne, on ne saisit plus vraiment ces nuances-là. On continue à faire usage, comme ça a été dit par Akram et par Louisa, des mêmes instruments politiques des années 70, les accords entre groupes armés, les accords entre des groupes politico-militaires qui ne fonctionnent jamais. On est au troisième accord de suite au nord du Mali et ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas, ça n'aboutira pas parce que justement, il y a une gouvernance de fait de la part aujourd'hui, de la coordination des mouvements de la ZEWE, de la CMA, mais aussi des groupes terroristes comme Génim. Donc, c'est une réalité aujourd'hui. L'Algérie est dans une posture, dans une position extrêmement problématique, dans le sens où elle a posé la question de sa sécurité intérieure comme étant, d'une certaine façon, sa seule stratégie de se prémunir et de se stabiliser sur le plan intérieur, sur le plan des frontières. Or, comme ça a été souligné par Louisa, il est impossible aujourd'hui, au début du XXIe siècle, de se contenter de cela. C'est-à-dire que même si on a les meilleures technologies au monde au niveau des frontières, ça ne suffit pas parce que si on veut vraiment prétendre de jouer le rôle d'acteur, ça sera compliqué de faire de l'endogénisation ou de la sanctuarisation du territoire national son seul arche de toute sa politique étrangère. Tous les autres volets, le volet à la fois économique, le volet humanitaire, on en parle très peu, il y a quand même une certaine aide qui est discernée par l'Algérie, mais qui est très discrète, on ne la voit pas, elle n'est pas médiatisée, on ne communique pas là-dessus. Elle est gérée par l'armée aussi, il faut le dire. Donc, c'est toutes ces dimensions-là qui font la complexité, la richesse d'une politique étrangère vis-à-vis d'États de la sous-région qui sont, encore une fois, je tiens à le rappeler, très liées à l'Algérie. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une parole en l'air, c'est une réalité humaine. Quand on va au nord du Niger, j'ai eu la chance de faire du terrain là-bas, on le sent. Quand on va dans un marché à Tombouctou, on retrouve tous les produits algériens qu'on consomme. Ce sont des choses très très concrètes. Et donc, mais malheureusement, on ne capitalise pas là-dessus. Ça passe par des circuits informels. C'est l'informel qui capitalise, je dirais, sur la projection politique et géopolitique de l'Algérie. Si j'ai encore un peu de temps, je pourrais peut-être donner une minute à chacun des pays. Alors, si on prend le cas libyen est d'abord aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le pays n'est plus en conflit armé, d'accord ? La bataille de Tripoli est terminée et nous sommes dans un équilibre très, très fragile où il y a deux autorités parallèles qui se concurrencent, l'autorité de Dbeiba et la nouvelle autorité sous Bachar. La frontière que partage l'Algérie avec la Libye est contrôlée au nord par la tribu des Intan, qui sont très puissants et très actifs à Tripoli, et au sud par les Touaregs de la région de Rat. La frontière algérienne, algéro-libyenne, est aujourd'hui probablement la frontière la plus sécurisée et la plus sécuritaire de toute la Libye. D'accord ? Donc, quand on dit nos frontières sont en feu et en flamme, ça répond davantage à un récit national, à un récit de la menace permanente qui a ses propres justifications, hein, dépenses armées très élevées, nécessité de maintenir un discours sur le terrorisme, etc., etc. Mais aujourd'hui, la réalité terrestre, la réalité sur le terrain, c'est que la frontière en Libye reste une frontière relativement apaisé depuis, bien sûr, la Aïn Amenas depuis 2013. Donc ça, c'est au niveau... C'est moins fait en Mali, a priori. Pardon ? Je l'ai perdu. Il y a quelques soucis de connexion. Ouais. On ne t'a pas entendu, Nadia. Je disais, c'est moins le cas à la frontière malienne.
C'est moins le cas à la frontière malienne parce que justement les groupes terroristes du Génie, donc de Jamaat Nusrat al-Islam al-Muslimin, ont des fiefs à moins de 50-70 km des frontières algériennes, hein, à Bourassa, même jusqu'à Tinzawatine du côté malien. Et donc c'est très compliqué de superviser cette frontière-là. Je le dis aussi pour les auditeurs, mais c'est la frontière sud la plus peuplée de toutes les frontières algériennes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui habitent vraiment sur le bord de la frontière. Vraiment. Et donc, c'est impossible de ne pas laisser les gens circuler parce que c'est des familles algéro-maliennes. Et donc, distinguer la menace du déplacement ordinaire est très difficile. Et donc là, sur le terrain, il y a des vraies difficultés. Il y a des vraies difficultés. S'ajoute à cela toute une politique d'hypersécurisation du territoire. On l'a vu avec les événements de Tinzawatine et la mort de Ayoub Akidji, qui est quelqu'un qui a perdu la vie, hein, parce que justement la population n'acceptait pas l'idée d'être enfermée et de subir le diktat sécuritaire qui lui a été imposé, même si objectivement elle est consciente et elle appuie la stratégie de l'État de protéger le territoire national. Donc au nord Mali, l'Algérie est sur une tangente qui n'a rien à voir avec la réalité du terrain, c'est-à-dire l'accord pour la paix et la réconciliation du Mali se passe à Bamako. C'est une discussion entre élites Touareg, arabes et le gouvernement malien, mais quand on vient à la frontière, on n'est plus du tout dans le cadre de l'accord, on est vraiment sur des réalités très difficiles. Et justement, si je peux me permettre, le président Tebboune évoque les difficultés avec Barkhane et la France. Où en est-on il y a eu de la friture sur la ligne entre Français et Algériens sur l'intervention Barkhane, etc. Est-ce que c'est ça qui met aussi en difficulté aujourd'hui? Puis bon, ce qui s'est passé, les événements récents au Mali, coup d'État, etc., montrent que la situation est de plus en plus délicate, quoi. La restructuration de la présence française au Sahel ajoute de l'incertitude, ajoute de l'incertitude sur la situation générale dans la région. Ça, c'est une évidence. Mais ce n'est pas le nœud gordien, ce n'est pas le souci majeur de l'Algérie, pas du tout. Ce qui pose problème, je pense, à l'Algérie, c'est la non-application, la non-mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation, donc de l'accord dit d'Alger. On est à 7 ans depuis la signature de l'accord et aujourd'hui, les réformes qui étaient suggérées, enfin, les dispositions de l'accord n'ont pas été pour la majorité appliquées. Donc ça, c'est vraiment le premier volet hyper problématique, surtout dans un contexte aujourd'hui où les autorités de la transition au Mali sont peu enclines à mettre en œuvre cet accord. De l'autre côté, c'est vraiment la menace terroriste aux frontières, comme je l'ai expliqué. Donc, la restructuration de la présence française aurait pu devenir, d'une certaine façon, une opportunité, entre guillemets, pour l'Algérie. Mais encore une fois, on est dans cette incertitude, on est dans cette hésitation, on ne sait pas trop. On a constitutionnalisé la possibilité pour l'armée d'intervenir à l'étranger, mais il n'y a pas eu de débat public. On ne voit pas vraiment comment l'Algérie pourrait en faire usage. Est-ce que ça serait utile d'en faire usage dans une région aussi proche du territoire algérien? Dans quel cadre? Bref, il y a plein de questions qui sont en suspens. Oui, je sens que Akram Khalief hoche la tête. Peut-être il peut. C'est bien qu'il y ait de l'interaction. Pourquoi vous hochiez la tête, Monsieur Khalief? En fait, moi, je pense que le départ de la France a été une opportunité pour tout le monde. Et d'ailleurs, tout le monde a bougé au départ, que ce soit les FAMA, que ce soit le gouvernement malien, que ce soit les GAS, donc les groupes armés signataires de l'accord d'Alger, que ce soit même les groupes armés terroristes de type Jenim.
on a eu un moment de flottement où tout le monde s'est dit, voilà, on va se poser, on va rien faire. Et on va essayer de trouver des solutions maintenant que la France est partie. On a eu une petite évolution à la fin de l'année avec la plateforme de Rome. En tout cas, beaucoup de bonne volonté avait été montrée de part et d'autre. Mais depuis en fait le mois de février, on a le gouvernement malien qui est reparti à l'offensive, qui a énervé tout le monde et qui maintenant a ruiné toutes les possibilités d'accord ou de solutions de paix dans la région, enfin au Nord Mali, et surtout, on a une inaction algérienne à un moment où on aurait pu faire quelque chose. On était vraiment face à une très très belle opportunité, on a eu une fenêtre d'opportunité très intéressante qu'on a laissé partir. Juste un petit ajout sur cette question-là, je tiens à préciser que la diplomatie algérienne est actuellement présidente du comité de suivi de l'accord de paix. C'est-à-dire vraiment, on a une position privilégiée dans laquelle on peut faire évoluer un certain nombre d'enjeux, notamment les questions sécuritaires, hein, de démobilisation, de désarmement, de réintégration. Voilà, il y a une espèce d'inertie, je dirais, presque volontaire. C'est difficile à comprendre, c'est difficile de se dire comment on peut espérer être autant actif au Sahel sans faire un bon usage de certaines positions clés qu'on a au sein de structures comme celle-ci. Je vais abonder dans le sens de Raouf en donnant un exemple. On a la personne qui est à la tête du comité de suivi, qui était envoyé spécial donc Monsieur Delmé, qui était envoyé spécial pour le Sahel auprès du ministère des Affaires étrangères, à qui on a octroyé un nouveau poste et qui n'est plus en charge de cela, mais qui garde quand même son titre de président du comité de suivi de l'accord. Donc, pour vous dire que on ne se soucie pas des problématiques réelles, on est dans des jeux de permutation, on n'a pas cette vision stratégique, on se dit pas que Monsieur Delmi, qui a fait quand même un bon travail, qui connaît bien le Sahel, etc., aurait pu garder sa position et poursuivre ce qu'il était en train de faire. Maintenant, il est dans un poste plus important, mais il se retrouve du fait déconnecté de ce qu'il devait faire. Et ça, c'est un exemple algérien de ce que fait l'Algérie pour s'auto-saboter. Oui, juste, merci. Louisa Aït Hamadou, je voulais intervenir. Justement, moi, je comprends de cet échange autour de, justement, du Sahel, etc., que vraiment, le logiciel algérien est rayé, on va dire, et enrayé, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Est-ce que c'est le résultat d'une situation politique interne aujourd'hui qui bloque tout très... Parce que la question que je me pose, c'est quoi la doctrine algérienne aujourd'hui? Il n'y en a pas, je vois. Il n'y a pas de doctrine. Et par ailleurs, on dit, le président lui-même dit, on met beaucoup d'argent dans la sécurité, dans la défense, etc. Cet argent, ça nous arrangerait de pouvoir l'utiliser pour le développement des programmes pour la jeunesse. Alors bon, on se dit bien, il se moque de qui? Mais bon, voilà. Louis, je vous laisse parler, Louisa. Akram a l'air très, très remonté. En fait... oui, je vais essayer de lier votre question avec ce qui a été dit par Raouf et Akram. Effectivement, de toute façon, sur chaque question, sur chaque dossier, on va revenir au péché originel, à savoir la vision stratégique, qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que l'Algérie veut et quels moyens elle est prête à mobiliser pour obtenir, pour réaliser les intérêts qu'elle a préalablement fixé.
S'agissant du Mali, on est encore aujourd'hui dans le prolongement de ce qui était la position de l'Algérie au tout début de ce conflit, c'est-à-dire à l'indépendance. Hein. Le Mali est structurellement en conflit entre le nord et le sud depuis son indépendance. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Et l'Algérie a essayé, au tout début, elle avait une position extrêmement tranchée, et puis ensuite, elle a essayé de jouer les équilibres entre un pouvoir central qui voulait gérer de façon jacobiniste un État qui ne pouvait pas être géré de façon centralisée. Mais bon, de ce point de vue-là, l'Algérie faisait la même chose, donc difficile de critiquer ce que les autres font de la même façon. Et aujourd'hui, on est à peu près dans la même configuration. Akram disait que le départ de la France aurait pu être une opportunité. Bon, la France n'est pas partie, hein. Elle s'est juste déplacée, juste à côté, donc elle est très loin d'avoir cédé le terrain ni à l'Algérie, ni à quelqu'un d'autre d'ailleurs. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment que l'Algérie est coincée parce qu'elle continue de soutenir une vision que le pouvoir central malien a. Or, ce pouvoir central, ne l'oublions pas, c'est un pouvoir militaire. Et les accords d'Alger, qui sont en train d'être remis en cause par ce même pouvoir central, prévoyaient plus qu'une décentralisation, une régionalisation. Et je vois mal, on n'a pas d'exemple concret, de dictature militaire qui accepte de déléguer une partie de son pouvoir, une partie de ses prérogatives à des entités régionales. Parce que quand on est dans cette configuration politique-là, on ne cède rien. On est plutôt dans une volonté de tout contrôler. Et c'est ce que le pouvoir malien cherche à faire aujourd'hui. L'Algérie est coincée parce que, d'une part, elle soutient l'idée qu'il faut que le Nord Mali bénéficie d'une autonomie dans le cadre de l'intégrité territoriale du Mali, parce que l'Algérie craint que la désintégration du Mali ou de tout autre pays de la région n'ait des conséquences interne. Là, on est dans les questions internes, mais en même temps, elle ne veut pas se mettre elle ne veut pas se retrouver en contradiction ou en conflit avec le pouvoir central malien, qui est son principal interlocuteur. Et puis, deuxième élément, c'est que on parle beaucoup de groupes terroristes. Personnellement, je préfère parler de groupes armés parce que c'est un concept qui est beaucoup plus neutre. Quand on dit terroriste, ça veut dire qu'on les condamne a priori. Or, la question de la violence au Mali, il est difficile à mon sens de la classifier, de la juger et de la condamner en utilisant le terme de terroriste, parce que la configuration des groupes armés est tellement complexe qu'il y a tellement d'alliances, de contre-alliances, et puis des alliances totalement contre nature. Et à cela s'ajoute le fait que ce sont essentiellement des groupes locaux. On n'est pas dans une configuration de Daesh, des groupes armés qui seraient totalement affiliés à des groupes externes, et donc qu'on pourrait considérer plus facilement comme terroristes. Ce sont des groupes locaux qui ont décidé de prendre les armes, de façon illégale évidemment. Dans un État, il y a le monopole de la violence. À partir du moment où ce monopole est démonopolisé, on est dans le cadre d'un conflit interne. Mais quand on dit terroriste, ça veut dire que déjà qu'on prend parti pour l'un des belligérants. Le fait de considérer, le fait de partir de ce principe-là, déjà, ça exclut une partie des solutions que l'Algérie prône, puisque l'Algérie considère qu'il faut que les négociations impliquent tous les groupes de façon à empêcher la radicalisation des revendications Touareg, revendications qui sont allées de réformes politiques profondes à l'autonomie, à l'indépendance. Et c'est ce que craint l'Algérie, mais l'Algérie ne s'implique pas, ne met pas du tout les moyens pour empêcher que cette radicalisation continue et qu'elle soit encore plus dangereuse, qu'elle soit contagieuse. Maintenant, je pense que les considérations internes sont effectivement un obstacle majeur, parce que je crois que c'est la Houve qui rappelait la révision de la Constitution dans laquelle on autorise la,
la projection des forces armées à l'extérieur du territoire, ce type d'action, non seulement il faudrait que l'ANP soit préparée à cela, pour le moment ce n'est pas le cas, mais ce type d'action nécessite effectivement un débat public interne. On ne peut pas du jour au lendemain, après avoir bercé, après avoir endoctriné les Algériens en disant que jamais l'Algérie n'interviendrait à l'extérieur, que jamais aucun soldat algérien ne devrait mourir à l'extérieur de son territoire, du jour au lendemain, passer à une action militaire externe. Donc, pour moi, l'essentiel, encore une fois, c'est de revenir à une vision rénovée, réactualisée, modernisée de la politique étrangère algérienne. Et pour cela, on a effectivement besoin d'un débat ouvert, d'un débat totalement désacralisé, parce qu'on continue, au niveau du discours politique officiel, de considérer que la politique étrangère algérienne ne doit pas être discutée. C'est une politique qui est censée être sacralisée, alors que la politique étrangère est une politique publique comme une autre. Elle doit être soumise aux mêmes considérations, aux mêmes conditions et surtout à la même elle doit être les autorités doivent être redevables de leur politique étrangère de la même façon qu'elles sont redevables de toutes les politiques publiques menées au niveau interne. Elles doivent être comptables, enfin, ils doivent rendre des comptes. Sur leur exactement. Raouf, oui, pour rebondir sur ce point-là précis, effectivement, quand on fait les premiers cours de sciences politiques, et je parle sous la supervision de Luisa, il y a les théories classiques nous apprennent que, en gros, la politique étrangère, c'est ce qu'on appelle le high politics, la politique du haut, et le reste, c'est un peu la politique du bas. Les autorités algériennes appliquent parfaitement cela, c'est-à-dire que le high politics reste vraiment high et ne descend pas au niveau, je dirais, de la société pour en faire un vrai débat de société, en réalité, pour réfléchir sur la politique étrangère de l'Algérie, sur la place du pays dans la région, sur la vision stratégique, où on veut emmener l'Algérie en 2050. Quels sont nos atouts stratégiques? Que faire de notre sud, qui représente plus de 90% de notre territoire? Comment comptons-nous nous projeter si on considère et si on nomme nos voisins comme étant nos ennemis, ou en tout cas, ou quand on les hiérarchise? C'est extrêmement compliqué. J'ai le sentiment, en tout cas, que soit il y a une mauvaise compréhension des notions les plus élémentaires de la diplomatie, soit c'est un régime qui vit en vase clos. Et je suis plutôt partisan de la deuxième réponse. C'est qu'on a le sentiment aujourd'hui, je vais devoir éteindre ma caméra, parce qu'il y a ma petite à côté de moi. M'excuser, je vais continuer à parler. donc c'est pour ces raisons-là aujourd'hui que on voit qu'il n'y a pas de renouvellement. Si on devait faire un diagnostic à la loupe des incohérences et des faiblesses de la diplomatie algérienne, je veux dire, elles sont connues. Ça prendrait une petite réunion entre quelques diplomates, quelques personnes de la société civile, quelques professeurs, et on arriverait très très vite à faire un diagnostic assez intéressant de nos failles. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune place à ce genre de débat. Et c'est là où en fait on voit que la politique extérieure est très 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 liée à la politique intérieure, et que ce soit dans les régimes démocratiques ou dans les régimes autoritaires. Malheureusement, aujourd'hui, le Hirak, j'ai envie de dire, aurait pu, dans sa phase initiale, incarner le début d'une réflexion sur cette question-là, sur ces questions-là. Mais on connaît le sort qui a été réservé au mouvement populaire. Donc,
il est difficile de justifier les positions qui ont été actées dans la Constitution, telles que la constitutionnalisation de la possibilité d'intervenir à l'étranger, quand on n'autorise pas justement le front intérieur dont parle le régime à devenir véritablement un front d'appui. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, et c'est ce que certains pays limitrophes font de manière plutôt bonne. Je ne sais pas, quand vous parlez de pays limitrophes, est-ce que vous pensez au Maroc, Raouf ? Non, pas que. Il faut sortir aussi de la bipolarité franco-marocaine. Là, je veux dire, il n'y a pas que la France et le Maroc autour de l'Algérie. Il y a beaucoup d'autres pays. Je pense notamment à certaines choses qui ont été faites au Niger, des choses qui ont été faites en Tunisie en 2014, des réflexions autour de la politique extérieure tunisienne. Bon, aujourd'hui, on est dans un autre contexte, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des pays autour de nous qui ont fait ce travail-là, modestement, et qui sont aussi dans une logique... je dirais, très positive envers l'Algérie. Moi, j'ai le privilège de voyager en Afrique et je suis à chaque fois surpris à quel point, malgré les incohérences, malgré les faiblesses des autorités actuelles, à quel point le capital sympathie de l'Algérie demeure et réel, et même si aujourd'hui il est en déclin, c'est une réalité. Nadia, si tu permets, j'aimerais revenir sur la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Certains observateurs disent que l'un des objectifs aussi, c'est de faire pression sur l'Algérie pour qu'elle intègre le processus de normalisation avec Israël. Et certains observateurs, certaines personnes qui ont écouté justement l'intervention fuitée du président de Boone ont décelé un début de changement, un début de revirement de la position algérienne sur la question palestinienne, parce que estime-t-il que le président de Boone s'est contenté de rappeler un des fondamentaux de la revendication du mouvement national palestinien, à savoir on veut la... il faudrait la paix contre la terre, mais le mouvement national palestinien revendique aussi le droit au retour des Palestiniens d'Israël, ce qu'a omis le président Boone. Est-ce que d'après vous c'est juste une omission, ou est-ce que les pressions américaines sont tellement fortes que vous envisagez la possibilité que l'Algérie abandonne justement sa position traditionnelle de soutien indéfectible au peuple palestinien? Qui veut commencer? Akram? Akram Raif? Je vais essayer d'être très bref. Moi, je pense que tout ce qui a été dit par le président Boone ne représente pas la véritable vision de la diplomatie algérienne, ou une quelconque stratégie, ou une quelconque, je sais pas, quelque chose de, j'allais dire, de sérieux. Ça représente sa vision propre, ça représente son improvisation. On l'a déjà vu improviser sur des sujets de politique internationale face à des médias, face à d'autres personnalités. Je peux vous ressortir l'histoire de Tripoli est une ligne rouge pour l'Algérie. Je peux vous ressortir les agissements du président à Doha et à Kuwait City en rencontrant le président iranien à un moment où tout le monde est en train de construire une narrative sur un rapprochement algéro-iranien supposé. Ses propos par rapport à l'Arabie Saoudite, le Qatar et le Koweït, qui seraient des pays frères, et en omettant d'autres pays de la région, etc., etc. Sa rencontre avec Dbeiba, et ses propos d'ailleurs avec Blinken à propos de la Libye, à propos du processus de normalisation en Libye, on voit que
Le président Tebboune se permet beaucoup d'avis, de commentaires face aux médias et pas toujours de manière très travaillée, de manière très voilà, concertée avec les efforts de la diplomatie algérienne, je pense. Il est totalement en décalage avec. Et donc, je pense que tout ce qui est dit par lui est à prendre avec un grain de sel. D'accord. Et D'accord. sur la Et question Israël-Palestine, sur ça, c'est ce qui est, tout ceci me fait dire. D'accord. Très bien. Louisa Driss El-Hamadouche. Je ne doute pas un instant qu'il y ait des pressions exercées sur Oh oui, c'est l'Algérie sûr. afin de rejoindre tous les pays qui sont dans une logique de normalisation avec Israël. Pour moi, avant qu'il y ait normalisation, il y aura au préalable des indicateurs. Il me semble que l'Algérie ne normalisera pas avant l'Arabie Saoudite. Il me semble que l'Algérie ne normalisera pas avant d'avoir cédé sur un autre dossier qui est tout aussi stratégique pour elle, mais qui me semble être moins stratégique et moins vital que la question palestinienne, c'est le Sahara occidental. Donc pour moi, si l'Arabie Saoudite normalise et si l'Algérie venait à faire de grosses concessions sur le Sahara occidental, ça voudra dire que les pressions ont atteint un niveau tel que sa résistance face aux conditions qu'elle exige avant toute normalisation avec Israël se seront vraiment affaiblies. Je suis un peu comme Akram. Je pense que l'Algérie est plutôt encore dans une logique de résistance face à ces pressions. Et que tout à l'heure, Raouf parlait de high politics. Là, on serait vraiment dans une décision prise par the deep state. La question palestinienne, et c'est peut-être l'une des rares questions, l'un des rares dossiers où la notion de rupture, de crise de confiance au niveau interne, recule face une espèce de consensus, où les dirigeants algériens connaissent parfaitement le pouls de l'opinion publique algérienne sur cette question-là. Donc, prendre le risque de se mettre à dos l'opinion publique algérienne en normalisant, ce serait vraiment un risque énorme qu'un pouvoir algérien ne prendrait, à mon avis, que s'il est sûr que sa décision ne conduirait pas à une révolte extrêmement grande. Donc, voilà, pour moi, la réponse, elle est compliquée, mais elle va dans ce sens-là. Pour moi, c'est pas quelque chose qu'on pourrait voir à court terme. D'accord. Et du coup, moi, je fais le parallèle avec un autre conflit que le président Tebboune a mis sur le même plan que la Palestine, qui est le Sahara occidental. De ce point de vue-là, vous avez le sentiment que les positions bougent. Enfin, officiellement, elles ne bougent pas, puisque les Algériens sont fâchés dès que les Américains ou aujourd'hui les Espagnols avancent. En direction de du plan marocain, on met pas ça a priori, c'est pas la même chose. Enfin, je veux dire, il y a pas autant de l'opinion algérienne n'est pas autant focalisée sur la question du Sahara occidental que sur la Palestine, par exemple. Je sais pas si qui répond, je sais pas si Raouf peut répondre ou si Monsieur enfin, qui veut répondre, l'un de vous. Akram, Aliès. Je n'ai pas très bien Ah, entendu la Raouf. question, donc si vous pouvez répéter, j'interviendrai Oui, après. Merci. Louisa Driss El-Hamadouche disait que pour que l'Algérie change de position sur le, j'espère que je vais bien traduire ce qui a été dit, sur la question de la Palestine, il faudra vraiment qu'elle soit sûre du gain potentiel et que parce que l'opinion est très attachée au fait de soutenir la Palestine et depuis des années. Et donc je voulais faire un parallèle peut-être contradictoire avec la question du Sahara occidental. Est-ce que l'opinion algérienne est moins sensible à la question sahraoui qu'à la question palestinienne? Moi, je pense que l'opinion publique algérienne est aussi sensible à cette question-là.
qu'à celle de la Palestine. Il en va des principes de pas mal de gens en Algérie. Il y a aussi une forte minorité qui dit que ça ne sert absolument à rien et qui se fait entendre de plus en plus. C'est une bonne chose pour le débat démocratique. Akram, si tu permets, s'il te plaît, justement sur ce que tu es en train de dire, surtout au sein de certaines élites du Hirak, par exemple, on a constaté qu'il y a plusieurs qui interviennent sur cette question, sur le revirement de l'Espagne, et ils disent de toute façon, il n'y a jamais eu de débat sur la question du Sahara en Algérie, donc c'est Boumdien qui avait imposé une telle position, etc. Donc on sent que ça glisse. Je ne suis pas sûr que c'est la même chose vis-à-vis de la question palestinienne. La question palestinienne, c'est comme une constante nationale, je veux dire, le soutien du peuple algérien. Je veux dire, il date depuis des décennies et je pense qu'il y a une différence quand même. Mais bon, il faut beaucoup plus de courage pour dire qu'on est contre la Palestine, hein, c'est pour ça. C'est ça. Là n'est pas la question. Moi, ce que je voulais dire, c'était rappeler qu'il y a eu 3 Algériens qui ont été tués par une frappe de drone marocaine sur les territoires libérés du Sahara occidental, et qu'il y a eu une promesse de réponse algérienne, et encore une fois, on n'a rien vu. C'est la seule intervention que j'ai sur le sujet du Sahara occidental. Alors, concernant l'opinion algérienne, c'est très difficile de mesurer l'opinion algérienne quand on n'a pas des instituts de sondage, quand on n'a pas des moyens scientifiques d'avoir les avis des uns et des autres. Et là, encore une fois, on voit très bien qu'il est très compliqué de comprendre ce que la société algérienne pense des grandes questions, des grands dossiers de la politique étrangère depuis des années, encore une fois, on n'appuie pas la recherche, on n'appuie pas les instituts indépendants, etc., etc. J'ai le sentiment, mais c'est vraiment une position subjective, j'ai le sentiment qu'il y a quand même une hiérarchisation dans les cœurs des Algériens par rapport à la question palestinienne. J'ai pas le sentiment que la question palestinienne est traitée exactement de la même façon que la question sahraoui, mais cela n'enlève rien au combat et à la lutte du peuple sahraoui pour son autodétermination. Mais j'ai vraiment ce sentiment-là que la Palestine, c'est quand même un dossier très important, tant pour la diplomatie algérienne et j'ai envie de dire une brûlure sur le cœur des Algériens et des Nord-Africains, de manière générale. Il ne faut pas penser que la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël soit passée de manière comme ça, souple et sans problème au Maroc. La grande majorité de la société là-bas aussi et reste pro-palestinienne en faveur en faveur des droits des Palestiniens. Donc il faut un peu nuancer sur cette question-là. Alors, est-ce que l'Algérie va changer de position? Je partage ce qu'a dit Louisa. Je pense que s'il y a bien un dossier qui crée du consensus, d'après moi, c'est le soutien sur cette question-là. Après, il ne faut pas non plus fantasmer sur le soutien de l'Algérie à la Palestine. Hein. Nous avons une position qui reste très, très en deçà, j'ai envie de dire de ce que vivent les Palestiniens et j'ai envie de dire de la promesse palestinienne et de son importance dans le cœur de la société. Donc, moi, je suis souvent très, très étonné de par la légèreté de certains communiqués ou même des déclarations qu'a fait M. Tebboune, même si je partage l'avis de Akram, je pense qu'il lui arrive très souvent de dire des choses qui sont
voilà, qui sont vraiment qui sont très très sensibles sur la question de la Libye, de Tripoli, ligne rouge. C'est une déclaration qui aurait pu constituer un acte de guerre, direct. Donc voilà un peu. Mon sentiment, c'est que il y a quand même une différence entre la Palestine et Sahara occidental dans le cœur des Algériens, mais on n'a pas les outils scientifiques, méthodologiques pour les déterminer. À ce propos, j'ai découvert, en ayant bien lu la déclaration américaine sur les propos de M. Tebboune, qu'un observatoire de la société civile aurait été créé. Oui, tout à fait. C'est quoi? C'est une coquille vide? Ça existe déjà? Qui c'est qui peut m'en parler d'entre vous? Louisa et Hamadouche, peut-être? Qu'est-ce que c'est que cet outil qui a l'air d'être l'alpha et l'oméga du président? En fait, non, pas tant que ça. Hein. Ça fait partie des instruments mis en place dans le cadre de la politique dite de l'Algérie nouvelle. Et parmi ces instruments-là, il y a cette volonté de renouveler la classe politique en ne passant pas par les partis politiques, mais en passant par des acteurs que les autorités veulent utiliser comme des acteurs politiques. Et donc, cet observateur de la société civile, qui n'est pas indépendant, contrairement à ce que son nom pourrait suggérer, est l'un des instruments qui a permis de mobiliser ce qui a été mobilisé en termes de base sociale lors des différentes élections. On est d'ailleurs un peu comme en Tunisie, hein, puisque le président Tebboune disait qu'on était intime avec les Tunisiens, et ben on retrouve cette intimité aussi dans la mesure où le président tunisien a, semble-t-il, décidé de faire fi des partis politiques dans les prochaines élections. Il y a aussi dans l'Algérie nouvelle, donc, une volonté de renouveler les acteurs politiques en passant par la société civile qui serait plus facilement cooptée, plus facilement clientélisée, d'autant que les Algériens ont une vision assez négative des partis politiques. Donc, c'était une façon de faire la même chose avec, en apparence, des instruments différents. Nadia, si je peux me permettre, oui, sur ce point-là, parce que je l'ai suivi un peu grâce aux médias et en connaissant certains membres qui font aujourd'hui partie de cet observatoire. D'ailleurs, on peut le rappeler, hein, mais il y a des gens qui faisaient partie du Hirak au début, qui ont aujourd'hui intégré cet observatoire-là. On ne les citera pas parce qu'ils se reconnaîtront d'eux-mêmes. Mais en tout cas, l'Observatoire est une initiative politique lancée par le président de la République pour justement consolider, en tout cas ça c'est les objectifs officiels, consolider le rôle de la jeunesse et sa participation au sein de la sphère civile et citoyenne. Il faut savoir que cet observatoire est un observatoire qui est un organe consultatif, qui n'a aucun pouvoir décisionnel en tant que tel, et qu'il est rattaché directement à la présidence de la République. Et donc aujourd'hui, l'une des missions de cet observatoire, c'est justement de mener des espèces de consultations avec des jeunes, sur voilà les priorités, leurs priorités politiques, les choses qu'ils aimeraient voir changer, etc. Mais en réalité, on le voit très bien, ça n'a rien d'un observatoire et ça n'a rien d'indépendant, dans le sens où il n'y a pas de démarche scientifique, il n'y a pas de démarche méthodologique très claire. D'ailleurs, vous chercherez longtemps, vous ne trouverez même pas un site internet à cet observatoire-là. Et ce n'est pas indépendant parce que ça suit un agenda politique qui est déterminé par l'exécutif. Certains, certains diront, hein, et c'est peut-être l'avis de ceux qui sont aujourd'hui dans cette initiative, de diront, mais voilà, c'est le moyen d'arriver petit à petit vers un changement de l'intérieur du régime,
et d'imposer un peu nos priorités, nos idées, etc. Bon, je pense qu'un petit recul de quelques décennies et nous fera très vite comprendre à quel point l'idée d'un changement de l'intérieur est peu effective. Voilà, donc c'est juste une petite clarification sur cette question. Merci. Est-ce que Arkham Khalif veut dire quelque chose là-dessus ou pas forcément ? Parce que sinon, il y a d'autres sujets, mais je vous laisse la parole. En un mot, c'est une mangeoire. C'est aussi simple que ça. On ne va pas se casser la tête. Je voulais juste, s'il vous plaît, si vous permettez, parce que j'ai vu une question revenir, une question technique qui revenait d'une personne qui demandait si c'était vrai que le ciel du Sahara occidental est sous souveraineté espagnole. C'est pas le cas. Hein. Le ciel du Sahara occidental dépend de la FIR, de la Flight Information Region, des Canaries. Donc ça dépend surtout de. C'est lié à la communication avec les avions et pas à à l'occupation dans l'espace. Oui, je. Merci en tout cas pour cette précision et d'avoir répondu à l'auditeur. On arrive au terme de cette émission quasiment. Je crois que voilà, on s'est donné une heure et demie et que voilà, il faut passer à autre chose. C'est que c'est une soirée de Ramadan aussi pour certains. Donc je voudrais juste un mot de conclusion pour chacun. Mais moi j'avais quelque chose. J'ai tort de la poser cette question à cette heure-ci, mais quand même je m'interroge. On voit que depuis ces dernières années, il y a une ligne de force, et d'ailleurs que la guerre en Ukraine a mis en exergue, c'est la contestation du modèle démocratique occidental par les pays du Sud et d'Asie, si je puis dire. On voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, la Chine est à deux doigts de vassaliser la Russie, et elle s'affirme comme la grande puissance, superpuissance mondiale du XXe siècle. Est-ce que... Or, son modèle est plutôt un modèle autoritaire. Quel rapport l'Algérie entretient-elle avec la Chine, au-delà des échanges commerciaux qui a entre les deux pays, sur un plan plus géostratégique? Cette question du fait que le modèle occidental des démocratiques occidentales est contesté. Est-ce que vous avez quelque chose, vous pouvez me dire quelque chose là-dessus? Peut-être la politologue. Le modèle de démocratie occidentale est contesté par les Occidentaux eux-mêmes, mais pas depuis récemment. On dit de la démocratie qu'elle est le moins pire des systèmes et qu'on n'a rien inventé de mieux pour le moment. Elle est contestée à travers les nouveaux mouvements sociaux qui sont des mouvements de contestation. Et souvent politiques, mais qui ne sont pas organisés ni à travers les syndicats, ni à travers les partis politiques. En fait, les acteurs intermédiaires classiques n'y jouent pas le rôle qu'ils sont censés jouer, d'où l'expression de démocratie en crise, l'émergence des extrêmes droites comme des extrêmes gauches, l'abstentionnisme extrêmement important dans les élections, etc., etc. Donc, oui, la démocratie est contestée, mais pas. Moi, je ne la vois pas contestée par ceux qui ne sont pas démocrates, mais premièrement par ceux qui le sont et ceux qui la vivent et ceux qui remettent en cause le fait que des acquis démocratiques sont en recul, y compris dans les vieilles démocraties. J'invite les auditeurs à se pencher sur les médias alternatifs qui apparaissent aujourd'hui, qui sont de plus en plus importants, et d'ailleurs très intéressants à étudier, dans les démocraties traditionnelles, où les médias classiques sont devenus un peu sous le monopole des gros groupes d'intérêts économiques ou politiques ou idéologiques. Donc, ça, c'est par rapport à la contestation de la démocratie. Maintenant, la relation de l'Algérie avec la Chine. Je crois que quelque part l'Algérie aurait aimé être dans la position de la Chine, c'est-à-dire une puissance émergente, plutôt émergée aujourd'hui, dont
une puissance avec une identité extrêmement forte, parce que la Chine, c'est une civilisation, donc avec une identité extrêmement forte, avec un discours qui prône une espèce de troisième voie, et là aussi, ce n'est pas récent, on retrouve cette troisième voie, y compris pendant la guerre froide, une puissance qui tente ce que l'Algérie essaie de faire, mais pas avec les mêmes moyens, et surtout pas avec la même vision, de rester en équidistance avec les grands protagonistes de l'ordre mondial. La Chine, effectivement, bon, vous disiez qu'elle est en train de vassaliser la Russie, j'irai pas du tout, j'irai pas jusque-là, mais il est certain que la Russie, à mon sens, fait partie des acteurs qui peuvent sortir grandis, ou en tout cas renforcés, de la guerre russo-occidentale, parce que ce n'est plus, on n'est pas vraiment dans une guerre russo-ukrainienne aujourd'hui. Mais l'Algérie, contrairement à la Chine, n'a pas pensé, à mon avis, sa position régionale. Pour devenir ce qu'elle est, pour prétendre au rôle qu'elle tente de jouer aujourd'hui, la Chine a d'abord bâti une économie qui est aujourd'hui l'une des plus grandes économies du monde. Mais la Chine a des points faibles, et c'est sans doute ces points faibles qui l'empêcheront de devenir une puissance de la taille des États-Unis, par exemple. Ces points faibles sont internes. C'est les immenses disparités entre les régions chinoises. C'est même pas l'absence de démocratie, c'est le totalitarisme qui guide encore ou qui est encore imposé aux Chinois. C'est le fait que la Chine est devenue une puissance économique, j'allais dire sur le dos, au détriment d'une grande partie de sa population. C'est le fait que l'un de ses gros points faibles, c'est non seulement Taïwan, mais c'est aussi des régions qui sont réprimées, ostracisées, notamment les Ouïghours, et donc la communauté, la minorité musulmane. Ces points faibles, la Chine aura beau essayer de les occulter, aura beau essayer de jouer sa puissance économique pour négocier le silence de la communauté internationale, ça restera toujours des points à travers lesquels les pressions pourront être exercées de façon sélective et qui pourront faire très mal au gouvernement chinois. Donc c'est une puissance qui est émergée aujourd'hui, mais dont les points faibles internes risquent d'être des entraves à la transformation de la Chine en puissance mondiale dans tous les sens du terme. Est-ce qu'il y a un tropisme, je pose la question aux autres, comme ça on va tourner et terminer cette... Est-ce qu'il y a un tropisme algérien vers la Chine aujourd'hui? Akram ou Raouf? Pas spécialement, il n'y a pas une compréhension du côté algérien de ce qu'est la Chine et de ce que sera la Chine dans quelques années. On ne comprend pas, on le voit, on constate que c'est un grand pays, que c'est un empire en devenir, mais je pense qu'on manque beaucoup de préhension sur ce sujet-là. Il faut noter que l'Algérie fait partie de la BRI, donc de la Belt Road Initiative, avec le port de Cherchell. Donc l'Algérie est de ce fait incluse dans le modèle futur de la Chine, de son futur économique et géopolitique aussi. Alors, Ouf, un point de vue sur cette question de la relation Algérie-Chine? Écoutez, sur la relation Algérie-Chine, je ne suis pas du tout spécialiste de la question, donc je vais m'abstenir d'en parler. Par contre, je recommande de suivre certains spécialistes, notamment Lina Ben Abdallah, c'est une Algérienne, une professeure algérienne établie aux États-Unis, je crois, j'ai oublié dans quelle école américaine elle est, mais en tout cas elle est dans une école assez prestigieuse et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Shaping the Future sur le rôle de la Chine », qui est vraiment une sommité sur ce sujet-là. Donc, si vous voulez l'inviter, je pourrais vous passer sans contact. Mais merci globalement, pour la réponse, en tout cas. Voilà, pour globalement, pour la, euh,
pour la contestation, entre guillemets, du modèle démocratique occidental. Déjà, je prendrai avec des pincettes l'idée d'un modèle démocratique occidental, parce que la démocratie est un projet qui se vit, qui se construit, qui se nourrit. Aujourd'hui, la démocratie d'il y a 50 ans, même en Europe, n'est pas celle d'aujourd'hui. Moi, je parlerai plutôt des limites d'une démocratie libérale qui a été, voilà, disons, vendue au Sud, donc aux pays de l'hémisphère Sud, comme étant le modèle par excellence du développement du monde à partir des années 50-60, donc à partir des indépendances, et surtout dans les années 90 en Afrique de l'Ouest, au Sahel. D'ailleurs, le Mali, pour parler du Mali, le Mali, à la fin des années 90, était vu comme étant un modèle de démocratie. Hein. De la même chose que le Burkina Faso aujourd'hui, qui est un pays laminé par des conflits et par la brutalité de groupes armés extrémistes. Donc, je pense qu'il y a dans le Sud un questionnement sur des spécificités propres aux conditions à la fois socioculturelles, mais aussi à des rapports de pouvoir déséquilibrés et souvent impérialistes dans les relations qu'on entretient avec l'Occident et les autres puissances du monde. Je pense que le Chili nous offre une belle idée de ce que peut être un pays du Sud qui se bat pour ériger son propre modèle démocratique après tant d'années de dictature militaire. Il y en a d'autres, mais c'est celui qui me vient en tête actuellement. Donc pour notre région, malheureusement, 10 ans après ce que l'on peut appeler les révolutions arabes, nous sommes dans une phase vraiment de contre-révolution aiguë. Et peut-être qu'il faudrait se tourner davantage vers le sud que vers le nord pour trouver les solutions à nos problèmes. Merci. Je crois que Rabah a une dernière question et oui, après on se dira au revoir. Petite question, justement, on n'a pas beaucoup parlé du Hirak ce soir, ce n'était pas le sujet, mais quand même, j'aimerais vous poser la question sur qu'est-ce que doit être le rôle des élites du Hirak dans cette conjoncture face aux défis extérieurs que vous avez énumérés les uns les autres donc ce soir. Est-ce qu'il faut constater les déboires de la diplomatie algérienne, ou est-ce que, parce que, et ce serait justifié par le fait qu'il n'y a pas un climat de liberté, il y a la fermeture du champ politique en Algérie, on empêche les Algériens de s'exprimer sur les différents sujets, ou est-ce que non, même s'il faut continuer à dénoncer la répression, la restriction des libertés fondamentales, il faut se positionner aussi. Par exemple, dénoncer l'incursion d'Israël dans le Maghreb, dénoncer les revirements sur la question palestinienne, etc. Donc, selon vous, vous êtes des personnalités qui ont été dans le Hirak. Quel devrait être justement le positionnement des élites du Hirak face à ces enjeux-là? Akram? Je pense que le constat que la contestation ne suffit pas, il faut passer à une étape de production. Production d'idées, production de concepts, production d'alternatives. Aujourd'hui, on est face à un régime qui est totalement en panne d'idées, en panne de créativité. Je pense que aujourd'hui, ces élites-là, que vous évoquez, doivent produire de l'intellect, doivent produire du sens et doivent orienter ce qu'il y a à orienter et ce qu'il y a à sauver aujourd'hui de ce pays. Il ne faut pas se réjouir de voir ce pays couler, juste pour dire on a eu raison de sortir ou on a eu raison de nous opposer. Il faut sauver ce pays, il faut sortir de cette situation et il faut produire du bon sens. Voilà.
Louisa, Aïd, Aïd Hamadouche, et puis après Raouf aussi. Effectivement, je crois que quand on parle de politique étrangère, il est bon d'avoir deux postures. Un, penser que à ce niveau-là, on parle des intérêts d'un État, indépendamment du pouvoir politique, de sa nature, de sa légitimité. Et deux, que c'est un domaine qui doit impérativement être au centre du débat public. Sans doute pas avec les mêmes acteurs que des sujets tels que le pouvoir d'achat ou le chômage, ou parce que tout le monde ne s'intéresse pas forcément à la politique étrangère, en Algérie comme ailleurs, hein, de toute façon, mais qu'il soit au centre du débat public. Et je suis complètement d'accord avec Akram qui dit que les élites du Hirak ont aussi pour obligation citoyenne de produire du sens aussi sur la politique étrangère. Parce que les forces du changement en Algérie doivent être capables de montrer à l'extérieur, au monde, qu'elles sont capables de réfléchir sur les intérêts stratégiques de l'État. Que lorsqu'elles pensent changement politique, pacifique, vers une transition, vers une démocratie, elles ne sont pas en train de remettre tout en cause, de vouloir tout changer, de vouloir faire table rase, et qu'elles sont parfaitement conscientes que les intérêts d'un État ont besoin de continuité et ont besoin de rationalité, ont besoin de penser l'avenir dans le temps long. Et il me semble que l'un des messages importants du Hirak à l'avenir, c'est aussi de dire que les forces qui veulent, les forces pro-changement, les forces qui veulent un changement politique pacifique en Algérie, sont aussi capables de penser les intérêts stratégiques de l'État, de l'Algérie au niveau international. Ouf, une réflexion là-dessus. Tout à fait. Je pense que il est dans l'essence du Hirak de ne pas s'arrêter aux marches populaires qui ont été l'une des expressions, je dis bien l'une des expressions du Hirak. Elles ont été le combustible, j'ai envie de dire, naturel du mouvement populaire pendant des années, parce que voilà, il fallait occuper l'espace, il fallait dire ce qu'on ressentait, il fallait donner des idées, donner un souffle. Tout ceci a été extrêmement riche, a produit énormément de sens. Malheureusement, je dirais le caractère performatif du Hirak est peut-être en deçà de ce que l'on espérait, et qu'on voulait peut-être un changement très rapide, assez vite, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Connaissant la nature du régime algérien et connaissant aussi l'histoire des luttes populaires de par le monde, et donc il faut rester mobilisé. La lutte ne s'arrête pas au Hirak et le Hirak ne s'arrête pas en marche. Et je crois que les élites, entre guillemets, même si encore il faudrait toute une réflexion sur qu'est-ce que l'élite, parce que pour moi, j'ai vu des gens insoupçonnés d'être des élites comme Mohamed Tajaddit et d'autres qui ont vraiment brandi, j'ai envie de dire, la lutte populaire à son sommet, et qui sont pour moi des élites, sans être des élites intellectuelles peut-être, mais qui sont des élites populaires dans le vrai sens du terme, des élites organiques, pour parler dans des termes de Gramsci. Je crois que tout ce monde-là a besoin de se parler, de se réunir, de produire, à la fois dans le domaine de l'art, dans le domaine de la culture, dans le domaine des idées, dans politique étrangère. Et malgré les contraintes, il faudra poursuivre cette entreprise, parce que c'est une entreprise sur le temps long, dont on ne verra peut-être pas les résultats à l'échelle de nos vies humaines, mais qui contribue certainement à un effort collectif qui permettra d'avancer le pays. Donc forcément, juste pour revenir sur la question de est-ce qu'on peut se distancier par rapport à Hirak, critiquer le régime, enfin appuyer certaines décisions cohérentes du régime
et rester avec la casquette militant, bien sûr, c'est la gymnastique que font beaucoup de chercheurs. C'est une position assez compliquée dans le sens où il faut mobiliser les outils d'une réflexion, je dirais axiologiquement neutre, quand il le faut, et se mobiliser avec la casquette du militant quand il le faut aussi. C'est ce dont on a besoin. Le Hirak, le Yitnahauga, n'est pas un concept vide de sens. C'est un concept rempli d'idées, mais qui a une nature radicale dans sa portée. Et donc, il ne faut surtout pas penser que le Hirak n'est pas venu avec des idées. Il faut tout simplement traduire, reconceptualiser, donner des prolongements. Et c'est ce qui permettra à terme d'ouvrir des brèches, comme le 22 février a été une des brèches. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces échanges très riches. Je pense que ça mériterait une deuxième émission sur les enjeux internationaux et sur la diplomatie algérienne. En tout cas, moi, j'ai été très satisfaite de nos échanges et j'espère que les auditeurs en ont profité aussi. Merci à tous les trois d'avoir participé à cet échange. Merci, Labert. Je te laisse le mot de la fin et à bientôt, en tout cas. Pas de souci, donc merci aux invités aussi. Merci Nadia. Merci beaucoup, merci. À bientôt, au revoir. Merci à vous. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir.